Salut à tous, nous y sommes, la finale d'une compétition que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous faire vivre cette saison. C'est vrai que les coupes ont toujours une saveur particulière, mais cette édition, je trouve, restera longtemps dans nos mémoires. Tout le monde semble prêt, des joueurs aux entraîneurs en passant par les supporters. Oui, l'ambiance est exceptionnelle pour ce dernier rendez-vous de la saison. Ça nous promet une belle rencontre. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf, c'est parfait pour ce match. On voit beaucoup de détermination sur le visage des joueurs. Mais quoi de plus normal pour une finale, me direz-vous, Darren? C'est exactement ce que j'allais vous dire, mon cher Grégoire. La route a été longue pour arriver jusqu'ici. Quelle occasion, attention! Ça ne passe toujours pas. Ça ne le sourit pas pour le moment, mais c'est bien quand même. Il se procure des occasions, c'est le plus important. Bon, maintenant, faut qu'il marque. Bien donné, sur le côté. Il allonge vers l'avant. Ça peut être extrêmement dangereux. Anderlecht qui peut avancer. Allez. Compagnie. Long ballon dans le sens du jeu. C'est joué long. Il a du champ sur le côté. Il frappe. Pas loin, mais ça ne rentre pas. Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Et à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. Anderlecht qui essaye de construire. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Et il cède sous la pression. C'est joué long. Et ce ballon jusqu'à l'autre aile. Bonne réception sur cette longue passe. C'est la mi-temps dans cette finale. Tout s'est passé vite jusqu'ici. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but. Mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. On vient de vivre les 45 premières minutes de cette finale, alors premier bilan. J'ai trouvé les deux équipes très nerveuses et c'est normal vu l'enjeu, mais plus ça va durer, plus ils auront peur de commettre une erreur qui peut coûter cher. Il va falloir quand même qu'une des deux équipes prenne l'initiative. 0-0 à la pause, on espère simplement qu'en seconde période on aura un ou deux buts. Et le jeu a repris ici d'ailleurs. On a vu les stats et avec deux... Oh, l'inspiration! Oh, quel arrêt! Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Nasri. Personne n'a trouvé la faille jusqu'ici et le tableau d'affichage ne bouge pas. 0-0. Hutton. Il est lancé sur l'aile. Il est tout seul. Il y a peut-être un coup à jouer.
joué. Ça pourrait être le tournant du match, un but importantissime. Quel enchaînement imparable pour le gardien. Cette compétition lui réussit bien, elle en est à 5 buts désormais. C'est donc un double changement, un par équipe. Voilà le match définitivement lancé. C'est toujours mieux d'ouvrir le score, évidemment. Mais dans une finale, c'est encore plus important. Ça passe à droite. Il cherchait à imposer sa puissance, il est tombé sur un mur. Anderlecht qui fait dézonner ses attaquants axiaux. Oui, mais c'est un peu bizarre quand même. Ah bon? Pourquoi? Comment ça? Le problème, c'est que c'est l'attaquant central qui doit être dangereux dans la surface. Il faudrait peut-être mieux laisser les ailes aux ailiers. Sinon, qui va reprendre ses centres? Il ne résiste pas au contact. L'arbitre signale une faute. De là où il est placé, il peut frapper directement. C'est un magnifique tir de coup franc. Il frappe directement. Et le centre. Faut tirer là. Nasri qui prend son temps. Il n'a jamais réussi à aller au bout aujourd'hui. C'est vrai, les défenseurs le surveillent de près. Ils l'ont clairement identifié comme la menace. Le Standard de Liège qui peut se contenter maintenant de jouer la montre. Dans la profondeur, sur le côté. On joue sur l'aile, il est servi. C'est une occasion, ça! Et le match s'achève sur cette ultime occasion. Ils l'ont fait, ils ont gagné la coupe, ils ont atteint cet objectif après tellement...